Bonsoir tout le monde. Merci parce que nous venons couvrir Point de Presse à Soya. Ça fait en deuxième fois nous rencontrer pour nous parler de l'évolution de la situation. Je nous tous connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur dépouille mortelle président. Et depuis là, il est déjà transporté dans un morgue dans la capitale. Pour un dame là, il est hors de danger. L'a soigné dans en Floride, et information nous gagne, situation stable. Depuis l'assassinat du président, nous avons déjà réalisé, ici là, dans la résidence privée du Premier ministre, un conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, conseil SPN. Ensuite, un conseil des ministres. Côté ensemble, nous prenons décision pour nous décréter état de siège en PIA. Après le conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation. Pour nous faire un appel au calme. Nous sommes contents que la population l'étende nous. Parce que je dis à nous comprendre que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit tendance politique, quelle que soit idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, nous pas attendre, nous pas espérer, personne pas anticiper acte barbare, ça qui commet sous président Jovenel Moïse. Moi, rencontré jeudi à Kogoubla. C'était ensemble, nous avons analysé la situation et sollicité solidarité communauté internationale là, parce que le pays a fait face à une réalité, du moins à vivre un moment difficile. Donc, nous remercions les membres du groupe qui yo même très réceptif à appel nous et à demande de solidarité que yo offri effectivement à Haïti. Moi te gen un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui était duré plus passé 30 minutes. Dans la conférence pays États-Unis offrir nous encore une fois support. Nous parler de élection, nous parler de sécurité, nous parler de accord politique. Durant la journée, nous avons eu une chance également de parler avec des acteurs dans l'opposition, dans différentes branches dans l'opposition. Pour me dire que nous mettons ensemble pour nous condamner assassinat au Dieu ça, pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Et fort heureusement, nous avons en pile secteur dans l'opposition qui a condamné l'action barbare. Peuple haïtien,
Je dis à moi connais que chaque grain de monde qui a regardé là, il est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, m'a lancé un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et durant toute semaine là, gain en permanence pour nous kembe pays a situation sécuritaire là sous contrôle. M'a fait un appel avec membres opposition différents secteurs. M'a dit yo même gens président Jovenel Moïse était toujours ouvert bal. C'est comme ça jodi a nous-mêmes qui commande pays a nous dit yo en nous avancer ensemble en nous définitivement venons issu la crise ça qui déjà duré trop que population c'est lui qui a payé conséquences pour ça qui gagne ouais merci Neyo. La police nationale d'Haïti, la MEA, déjà encerclé au côté OIA. Nous avons une bonne nouvelle, parce que j'aime dit matin, acte barbare ça n'est pas prêté impuni. Nous pouvons quitter nous, passer connant à DG PNH là, lui-même, qui va nous plus d'explications. Sous comment nous a procédé pour nous permettre population connait qui moun qui commet acte ça côté yoyé côté yo soti. Merci beaucoup PM et Jean PM n'a dit là selon instruction nous te recevoir depuis hier. La police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone, pour quitter la scène de crime, nous bloquons. Et depuis hier soir, nous avons bataillé avec eux. Pour une quantité qui étaient réfugiés au niveau de la boule. Pèlerins. Nous engagés, bataille avec eux. Il y a quatre là-dedans qui sont tombés. Il y a deux là-dedans qui ont intercepté, qui sous contrôle nous. Et il y a trois policiers qui étaient pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous, là, la police là, engagée dans la bataille avec Assayan Sayo, n'a pourchassé pour que soit dans l'échange, le jeune sort dans l'échange de tir, il est tombé, ou bien soit nous appréhendons. Poursuite la continuer. La police a déterminé pour le fait travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre régne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré la situation difficile que nous vivons. Nous nous saluons tout le monde. Je vous rappelle que dans toutes les mesures qui prennent pour journée, dans toutes les mesures qui prennent pour journée, PM nous souhaite rappeler que
nous avons une situation assez spéciale, côté gain un président en fonction qui est élu et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui se tient à l'étranger et il est rentré la Cali, il est exécuté. Donc dans l'intervalle là, il y a un peu de mesures que le Premier ministre a souhaité annoncer. Mais dans toutes mesures, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. Alors, état de siège là, les mêmes qui s'allient, sont mesures que le gouvernement prend, qui prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en dans gros danger, ça a eu, justement, on gagne une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sous propre territoire par eux, et c'est dans le contexte où on prend état de siège, et qui menaçait la souveraineté pays, qui menaçait la sécurité pays. C'est exactement la situation, ça nous vient là. Ça veut dire que on gagne, je dis, un chiffre X de gros net qui gagne gros âme. Et M. débarqué son territoire qui n'est pas pour eux. Ils sont pas haïtiens. C'est vrai qu'il y a des haïtiens avec eux. D'après ça, que le Premier ministre Sodino et qui est rapporté par le chef de police là, et la police qui a boumé sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça, nous avons des étrangers qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui rentrent dans le cas d'un président élu en dans la Kaeli, qui n'a pas rien fait pour mériter ça, ça, que vous avez. Mercredi 7 juillet 2021, 1h du matin, un commando armé a fait irruption dans la résidence privée du chef de l'État. La vidéo est tournée en boucle sur les réseaux sociaux. Ce groupe a assassiné Jovenel Moïse. RL Prod, édition spéciale, pendant toute la semaine.